Hello, comment oui? Pas oublier abonner à la chaîne là si vous pouvez faire ça et like vidéo sur mes travail là. Pas oublier que l'objectif là c'est permettre que plus de monde apprenne une profession capable pour toute la vie sans ou pas aller à l'université pour apprendre. Seulement ou besoin quatre vidéos et mettez ça en fait en pratique. Merci. Dans la vidéo, ça, je vais enseigner qui ça qui en lien et qui j'en pour utiliser li nan quel que soit page web ou créer, que ce soit dans le langage HTML ou bien dans Java ou bien dans C Sharp. Ok? Eh bien, dans HTML, il y a un tag qui permet nous indexer yon adresse, yon direction URL dans page noire. C'est tag qui relè encore. Okay? C'est lui-même qui permet nous faire relation entre page noire avec une page externe. Eh bien, tag encore ça, il est divisé en deux parties. Dans la première partie, hein, c'est là nous allons déclarer un attribut qui populaire en pile qui permet nous faire travailler ça, il est href. C'est en dedans guillemets, nous allons écrire direction page web, nous voulons indexer dans page noire. OK, dans exemple ça, moi pral faire travail là avec page Google là, OK? Li commence par https://www.google.com. OK, ça c'était première partie. Deuxième partie en tag d'ouverture là avec tag de fermeture là, c'est là moi pral décrire site là. Moi pral dit mais qui j'en li rele, OK? Et bien comme c'est direction Google là nous prend, n'a pas écrit Google. M'a pas enregistré, pas oublier pour nous enregistrer, c'est contrôle S ou bien ou aller dans fichier ou faire ou cliquer sur enregistrer. OK? C'est le même processus là. M'a pas actualisé page moi en kounya, automatiquement moi ouais direction lien Google là li monté dans page web moi. OK? Et bien on essaie de cliquer sur lien ça pour nous voir qui résultat là bas nous. Bravo, page Google la ouvri en dan page HTML nou. Eh bien, gen yon lot problème qui pose. Si nap navigue nan page nou, pa bliye, se yon relation wa fè ant page wa avec yon lot page, ok? An pran le cas ki se te yon lien pou te wè yon vidéo sou YouTube, ok? Eh bien, automatiquement ou te clique sur lien ça, eh bien, ou perdit toute information qui n'a pas joué, n'a gardé, nous pas oué aucune information de page noire encore, pas oublier nous te gagnons un paragraphe dans page noire, eh bien, li disparaît, nous pas oué li encore. Parce que page Google là, li ouvre automatiquement sous même onglet. Eh bien, pour nous ka résoudre problème ça, ok, pour nous ka toujours oué page noire et nous permettre que page externe n'a pas ouvre, li ouvre sur l'autre onglet, eh bien, gen l'autre attribut qui populaire en pile nous utiliser pour résoudre problème ça, le target. C'est attribut ça qui va permettre nous résoudre problème là, OK? Ou déclarer attribut qui est le target, OK, qui vient avec une valeur qui c'est tiré point blanc, OK? Jean Lia. Eh bien, de pour déclarer li comme ça, eh bien, on résoudre problème là. Eh bien, n'a pas enregistré n'a fait back dans navigateur nous actualiser si nécessaire cliquer sur Google encore n'a pas qui résultat là bas nous bravo page Google là li ouvre dans l'autre onglet OK page noire li toujours là nous ka toujours naviguer en dedans OK eh bien ça c'était première phase pour nous utiliser tag encore là OK qui te permet nous faire une relation entre page noire avec un lien externe eh bien OK. On prend le cas que page noire, li gen en pile information en dedans li et nous voulons faire une relation avec plusieurs sections. Pas oublier, page noire, li gen doit diviser en plusieurs sections ou bien catégories. Ok? Eh bien, si li gen en pile information là-dedans, moi gen doit naviguer dans la partie en l'air. Gon information en bas, nous besoin, ouais. Faut que moi pral obligé de descendre pour me chercher information. Eh bien, avec tag encore ça, il y a une façon qui permet de nous résoudre le problème là, côté nous faire des indexations en dans page noire pour permettre que l'utilisateur lui faire une expérience agréable avec page noire. OK, il bien naviguer dans page noire. Eh bien, pour nous résoudre le problème ça,
Mwen pral fè an pè menaj, mwen pral deklare yon tag heading ki pèmèt mwen ekri tit, ok, an dan paj mwen, e mwen pral le home. Mwen pral fè an lot bagay ki pi fasil de jou, mwen pral deklare yon tag ki rele section, ok, ki pral pèmèt mwen divize paj mwen an plizye kategori, an plizye section, ok. Mwen pral kopye tout sa yo. Ok, mwen pral kole li an dan section. Ok. E mwen pral mete tag anko mwen an le. Ok, mete li la. Ok. Mwen bezwen plen paj mwen avèk enfòmasyon. E ben, yon nan fason pou mwen fè li, mwen pral kopye. Mwen pral kopye tag seksyon, ok? E pi mwen pral kole li plizye fwa. Mwen kole li ou mwen 7 fwa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Mwen pral chanje non enfòmasyon yo. Premye al apre le home. Dezyèm nan apre le li help. Ok? Ou ka bali nenpòt nan, se jis pou nou ka fè eksèp nan. Apre le sa, get to know about us. E sa m apre le li sign in. Ma prele sa contact. Ok. Sa ma prele li. Let us help you. Denia ma prele li. About. Ok. About us. Okay. Se yon fason pou mwen ka gen anpil enfòmasyon an dan paj mwen an, ok? Na pa enregistre. Aktualize, ok? Ok, kounyan mwen wè mwen gen anpil enfòmasyon an dan paj mwen an, ok? Si nap gade, lèm komanse a pati de Google, ok? Map desan, ok, nou desan. Nou rive jiska let us, ok? Pou mwen ka wè pati ki an bayo, mwen oblije desan, ok? Pou mwen ka wè about us la. Eh ben, kounyan mwen ka fè ekzanp la avè nou pou nou ka rezout problèm sa. Si mwen pa vle desan flèch lan, mwen ka jis fè yon indeksasyon avèk about us pou lè mwen bezwen li pou mwen klike epi mwen jwen li. Ok? Eh ben, koman nou pral fè sa? Eh ben, nan pati href la, ok, nou pral efase direksyon Google la, nou pa bezwen li ankon, ok? Nou pral deklare yon lot atribi ki rele ID, ok? Ki role e ki importans atribi sa ki rele ID. Pou nou ka kompren bien fasil, mwen pral pran yon ekzanp avè nou, yon ekzanp, yon moun avè nou, ok? E si nap gade yon moun, ok? Ou gen dwa renkontre yon moun nan la ria, li gen menm zore avò, li gen menm bouch avò, tèt li gwo menm jan avè ou, e sa ka rive, li gen menm nou avò, ok? Nou semble tèt pou tèt, ok? Eh bien, gen yon sèl bagay nan nou de a ki pa janm identik, ok? Ki pa janm identik, se anprent nou, ok? Sa m ap pale de manyen naturel, ok? Eh bien, si nou pralè nan sa le zon kreye, eh bien, gen yon lot bagay anko ki pa janm identik, menm le zore nou fèt menm jan, bouch nou long menm jan, tèt nou go menm jan, ki pa janm menm, eh bien, se numéro matrikul fiskal nou, li pa yon pap menm, ok? Même les nous ta gen même nom numéro passeport nous pas jam même OK et ben numéro carte d'identité nous tout pas jam même et ben élément ça yo si nous besoin identifier yon moun nous ka considérer yo en tant que yon ID et ça te fait là ou pas voyager ou est c'est passeport yo mando OK les a fait passeport pour yo prend empreinte tout OK c'est une façon pour yo ka identifier parce que information ça yo appartient avec ou même seulement OK ou ka joine 10 moun ki rele James, ou ka jwenn 20 moun ki rele Jean, men ou pa janm jwenn 2 moun ki gen menm anprent,
qui gagne même matricule fiscale, qui gagne même numéro carte d'identification. Eh bien, c'est ça qui yon ID. Yon ID, c'est un élément qui permet nous identifier une chose unique. OK? Eh bien, dans la page web, nous, si nous regardons, nous avons plusieurs sections. Moi, j'ai 7 sections. OK? Eh bien, les moins besoin communiquer avec une section ça yo si moi pas déclaré un ID qui pour permettre moi identifier yo chaque en tant que une section différent eh ben si moi besoin appliquer une modification sur une eh ben la pas appliquer sur toutes parce que yo toutes ces sections yo toutes les mêmes gens eh ben pour moi ka identifier yo diviser yo OK faire yo chaque indépendant de une moi a déclaré attribut ça qui relé ID OK n'a pas écrit ID OK en dans guillemets ou après bali non hein? Ou après créer ça relé ou empreinte pour lui ou bien un numéro fiscal pour lui ou bien un numéro de carte d'identification pour lui ou bien numéro passeport même j'ai exemple moi te ban nous OK et bien section ça n'a relé li section 1 OK deuxième nan m'a relé li section 2. Troisième nom, après les li. Section 3. Quatrième nom, après les li. Section 4. Cinquième nom, après les li. Section 5. Sixième nom après les li. Et section 6, ok? Non, non, sixième. Et dernier nom après les li. Section 7, ok? Eh bien, avec ID ça, moi ka identifier yo chaque. Eh bien, yo tout différent. Lem besoin communiquer avec dernier nom après les li. ID section 7 eh bien OK ID li c'est section 7 OK valeur qui en dans guillemets eh bien c'est les mêmes qui va le représenter c'est valeur li OK eh bien l'autre modification nous pral faire eh bien en dans href nous hein OK eh bien c'est là nous pral relé une section ça yo eh bien OK pour nous relé li n'a déclaré un caractère qui est le dièse ou bien numéro j'en oublie hein? Et puis on a écrit valeur ID, hein, ou voulez communiquer avec là, ok? Pour nous comprendre exemple bien, pour nous faire effet, ok? Les mal dans page web, moyen, pas oublier. Pour moi, faire about us, ok? À propos de nous, eh bien, faut moi descendre en pile pour moi, well, ok? Si moi ou entre dans page là, normalement, moi pas well parce qu'il est en bas net, ok? Eh bien, n'a pas quitté le consa, ok? Eh bien, c'est là, moi, pour aller les section 7, ok? Lien ça, les moi clique sur les li supposé montrer section 7 là qui relè nous va changer nom li nous va changer nom Google là OK nous m'a écrit lien vers la section et comment relè about us about us OK n'a enregistré OK pas oublier OK nous pas reparti en bas m'a pas actualisé OK automatiquement non moi mettez là lien description ça il relé lien vers la section about us OK et dans page moi toujours pas ouais about us si moi pas descendre moi pas prendre OK dit là et ben on essaie de cliquer sur lien pour nous qui résultat là-bas nous. OK, automatiquement moi clique sur lien qui ça qui passe et bien il montre about us. OK? N'a pas essayé refaire lien encore. OK? Moi ouais moi juste en l'air kounya là, OK? Ouais, nous ouais bas là, il pas ka monter encore. OK? Nous pas ouais about us là, n'a clique sur lien encore. OK? Automatiquement nous ouais about us. OK? Et bien dans vidéo ça, objectif là c'était montrer nous comment pour nous utiliser lien, OK, à travers des tags encore là, OK, qui permettent nous indexer lien externe ou bien lien
interne. OK? Moi montrer nous tous les deux façons yo. Mettez ça moi faire en pratique, faire en même temps avec moi. Si nous gain difficulté pour nous comprendre yo kounya, pause vidéo, réessayer faire li encore, OK? Pas trop rapide, OK? Pas trop rapide. Prends sang pour comprendre logique là. Pas oublier c'est ça moi te dit dans commencement quoi. C'est prends sang pour comprendre logique informatique là, logique programmation. Pour qui ça ou fait tel bagay, qui rôle li, qui importance li. Depuis nous comprenons logique ça, n'a pas arrivé bien loin ensemble avec nous, parce que mission moi, c'est enseigner, vignon, programmateur professionnel. Ou pas besoin d'aller à l'université pour apprendre. Moi, je dis li encore. Ou pas besoin d'aller à l'université pour apprendre programmer. Ok? Juste, chercher information sur Google, garde vidéo, apprendre faire li bien. Refais-le encore, mettez-le en pratique, pas fin garder vidéo à la sous téléphone ou et puis ou al coucher pour dormir, c'est prendre laptop ou essayer faire exemple là, refais-le, fais-le plusieurs fois et pas oublier pour nous faire exemple, faut nous laptop nous connecté à internet, OK? S'il pas connecté à internet, yo pas fonctionner. OK? Merci. Pas oublier abonner et partager channel là pour plus monde ka joindre formation gratis. Merci, n'apprenons prochaine vidéo. Thank you.